J'ai apprécié la première période, avec, qui était belle à voir aussi, offensivement, défensivement. J'ai adoré la deuxième. C'était moins beau, mais j'ai vu des valeurs que l'on va avoir besoin de remettre sur la table sur les prochaines rencontres pour se maintenir. Donc bien entendu que c'est pas suffisant aujourd'hui, notre nombre de points, c'est pas suffisant. Il reste 10 rounds sur la fin du championnat, les garçons le savent. On avance par étapes. Pour moi, la série, elle a pas simplement commencé à Bordeaux, elle a même commencé contre Marseille. Voilà, cet état d'esprit, c'est bien sûr qu'il y a une forme tactique, tactiquement, il y a des choses techniques qui sont intéressantes, il y a du jeu vers l'avant qui est intéressant, mais c'est surtout cet état d'esprit, et on sait qu'on va devoir le garder si on veut ramener d'autres points sur cette fin de saison. Comme je vous l'ai dit en arrivant, je n'ai pas de système forcément préférentiel, j'avais besoin de voir comment mes joueurs aussi se sentaient bien, voir par rapport au potentiel de mon effectif. Et effectivement, ce système à 3, à 5, à la fois les rassure et permet d'optimiser pour moi mon potentiel de mon effectif, le potentiel de mon effectif. Donc oui, voilà, ça me convient. Je n'ai jamais forcément évolué dans mes clubs, dans ce système. Mais aujourd'hui, pour se maintenir avec mes joueurs, c'est celui que j'estime le plus approprié. Il faut s'adapter, vous voyez, sur ce match-là, il nous manque Adil Rami, il nous manque Johan Tousgar, il nous a manqué cette nuit, j'ai appris que Mama Baldé ne pourrait pas débuter, Julian était suspendu, Biancon, Koné était suspendu aussi, donc voilà, on fait, j'avais des jeunes sur le banc, j'ai des joueurs qui ont su saisir leur chance. Abdou n'avait pas forcément joué à ce poste-là, mais j'étais convaincu qu'il pouvait le faire. Et il nous a apporté, il a fait un bon match. Laroussi, que je vois depuis que je suis arrivé à l'entraînement, avait ce potentiel. Après, je n'étais pas sûr à 300% qu'il allait saisir sa chance. Il l'a fait, c'est très bien. Confiance, elle est très relative, parce qu'on sait très bien qu'on peut retomber. Mais au moins, on connaît les ingrédients qui font qu'on est capable d'aller chercher des points dans ce championnat.